C'est trop lourd. Essaye encore. Ça sert à rien. Essaye encore. J'y arrive pas. Allez. Attends. Fais chier. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce que je voulais par-dessus tout, c'était trouver ce trésor avec toi. Ça, on l'a trouvé. Pas ça. On l'a trouvé, petit frère. Tout va bien. Il doit bien y avoir un autre moyen. Tu dois me laisser. Il y a forcément quelque chose. Tu dois me laisser. C'est obligé. Il n'y a plus rien à faire. Nathan, j'ai besoin d'être sûr que tu t'en es sorti. Nathan, il faut que tu sortes avant que tout explose. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance. Tu dois me chier. Essaie de te protéger. Ouais. Ça y est, je les ai trouvés, Sully. Vous êtes où? On est juste là. Bon, t'as rien oublié. Non, je crois que c'est bon. Surtout, te gêne pas pour vendre tout ce que je laisse. T'es sûr que tu veux pas que je vous ramène? Après tout ce qui vient de se passer, je crois que je préfère prendre un avion avec open bar et siège inclinable. Et puis, Elena et moi, il faut vraiment qu'on parle. Ça c'est sûr. Et arrête de m'appeler en pleine nuit pour me supplier de t'aider, t'as compris? Juré. Je te remercie. Et gaffe à toi, petit. Et on reste en contact. La prochaine fois que tu passes, je te paye un coup. Ça, je te le rappellerai. Et alors, le lapin, il se met à détaler, sauf qu'il avait laissé tout un tas de petits cadeaux sur le plumard du directeur. Qu'est-ce que tu lui racontes, là? Alors comme ça, tu voulais être magicien? Je te déteste. C'était quoi ton nom de scène? Allez, dis-lui. Nate le Grand. Rigole pas, tu sais que c'était justifié. Pour sa défense, il était plutôt... t'étais doué. Écoute, Sam, j'avoue que ça a été... une sacrée expérience de te rencontrer. Une poignée de main? Bah... Arrête tes bêtises et viens là. Et prends bien soin de cette andouille, ok? J'y manquerai pas. Vas-y, je te rejoins. Ok. Elle est chouette. La pauvre, elle a l'air très amoureuse de toi. Oui, la pauvre. L'offre tient toujours, tu sais. C'est très gentil, mais ça va aller. Je sais, mais ne crois pas que tu t'imposes. Elena non, et moi, mais non, t'inquiète, c'est pas pour ça que je te dis non. D'accord, c'est un peu pour ça, mais...
Je pensais que, après avoir trouvé le trésor d'Avril, je me serais senti satisfait. Ouais. Au lieu de ça, j'ai comme... J'ai comme une étrange sensation de... vide total. Ouais. C'est toujours pareil. Aussi exaltante que puisse être l'aventure, au final, on ressent toujours la même chose. Mais on n'a pas vraiment le choix. Faut décider de ce dont on a besoin et ce à quoi on renonce. Bah... Je crois que j'en suis pas encore là. De toute façon, t'as quelques cités perdues d'avance sur moi et je peux vraiment pas laisser passer ça. J'en ai quand même laissé quelques-unes. C'est trop gentil. Ah, tiens. C'est notre taxi. Bien. Sam. On revient de loin. Tu l'as dit, petit frère. Viens là. Surtout ne fais rien que je ne ferai pas, ok? Allez, barre-toi, brigand. T'as du feu? Ouais. Alors, Victor, qu'est-ce que t'as prévu? Ouais, avant de me retrouver dans cette histoire, j'étais sur le point de réaliser une sorte de transaction. Et de quelle sorte? Dangereuse? Oh, vu mes partenaires, oui. On peut dire ça. Ben, justement, tiens, je connais un mec qui vient juste de sortir de prison et qui serait parfait pour te filer un coup de main. Oh là, je sais pas. Il est digne de confiance? Plus ou moins. Il parle portugais? Quando o seu marido voltar para casa? Et ça veut dire quoi? Dans combien de temps il rentre ton mari? Ça ira. Allez. Il te resterait pas un de ces cigares? Pousse pas trop le bouchon. Comment ça va? Ça va très bien. Très très bien. Allez, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? T'as décroché un gros contrat? Oh, bien mieux que ça. Je suis sur le point de vendre Jameson Marine. C'est pas vrai? Eh si. Waouh! Dans ce cas, j'imagine que les félicitations sont de rigueur. Non, c'est pas encore fait, mais ça devrait pas tarder à se conclure. On a rudement négocié, mais finalement on a réussi à trouver un compromis très satisfaisant. Ah bah écoute, c'est génial. Ouais. Est-ce que tu comptes rester? Non. Il est grand temps que j'aille profiter du temps qui passe avec ma famille et que je me laisse aller au gré du vent. Tu le mérites. Alors, dis-moi, c'est qui ce pigeon qui va tout racheter? Non, bah c'est toi. Quoi? Non, arrête, sérieusement. Mais je suis très sérieux. Attends, Jameson. Attends, mais où tu vas, là? Salut. Comment ça va, vous deux? Qu'est-ce que t'es venu faire, là? J'ai pensé que ce serait bien de venir jeter un coup d'œil. J'ai donné les clés à ton mari. Mais... Parfait. C'est vrai, tout ça? Nate, ne perds pas de vue que ce sera un investissement très raisonnable. Alors fais le bon choix. Tu m'appelles après? Je le ferai. Salut. Salut. Tu vas acheter Jameson Marine? On va acheter Jameson Marine. Oh. Ok. Comment? Et pourquoi? Ben, j'ai entendu parler d'une opération de récup au large de la Malaisie et je me suis dit que c'était pile dans nos cordes. Non, chérie, écoute. On a failli partir de Libertalia les pieds devant. Je sais. Alors, accepter une opération illégale, tu sais exactement où ça va nous mener. Mais qui a dit que c'était illégal? Regarde. C'était au courrier ce matin. Elle est en règle? Ouais.
Une de mes anciennes sources, elle a eu qu'à claquer des doigts au bureau des autorisations Mallet. C'était top, j'ai même pas eu à payer qui que ce soit. Ben, heureusement, parce que je vois même pas comment on aurait pu se permettre un truc pareil. Tiens. Donne-moi la main. Quoi ? Allez, donne-moi la main. Allez. Ça alors ? Ouais. Où est-ce que tu l'as trouvée ? Elle était dans la poche de ma veste. Avec toute une poignée d'autres. Une poignée ? Sam. Je sais pas comment il a fait. Bien sûr, tout ça va servir en grande partie à financer cet achat. Ainsi que du matériel de tournage. Tu veux t'y remettre ? Ouais. Comme on est parti pour remonter toute la cargaison, je me suis dit qu'on pouvait peut-être embaucher quelques personnes et tout filmer et relancer mon émission. Mais je croyais que ce que tu voulais, c'était de vivre une vie ordinaire. C'était ce que je voulais, mais à cause de ça, j'ai peut-être un peu perdu les pédales. Écoute. Finalement, j'ai réalisé que toutes ces aventures qu'on a vécues, tout ça me manque, Nate. Et là, on a une chance de faire ce qu'on aime le plus. Mais à partir de maintenant, il faudra qu'on fasse en sorte de toujours respecter la loi, ok ? Et c'est moi qui réaliserai tous les tournages, avec bien sûr mon matériel dernier cri.